Salut la famille, c'est Akina sur le front médiatique et nous sommes le vendredi 28 janvier 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs hétérodoxes. Et pour ce 51e épisode, nous avons la chance d'accueillir ce soir Alain Scoï. Bonjour Alain Scoï. Bonjour Akina. Comment vas-tu? Mais ça va bien, ça va bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation du Front Médiatique. C'est vraiment un grand plaisir de t'accueillir. Ensemble, on va parler de la révolution en biologie, les microzymas. C'est le titre de l'émission et c'est d'ailleurs aussi le titre d'un de tes ouvrages. Donc rapidement, avant de rentrer dans le vif de notre échange, je vais te présenter. Donc Alain Scoï, tu es né en 1947 à Talence, en Gironde, et tu es docteur en médecine, diplômé de la faculté de médecine de Montpellier en 1973. Tu as tout d'abord commencé ta carrière en tant que médecin de campagne dans l'Aveyron pendant 5 ans. Et dans le cadre de ta pratique, tu as très rapidement été effrayé par la santé déplorable des petits-enfants. Et tu vas mettre 3 ans à comprendre l'une des causes, la pratique des vaccinations multiples avant l'âge de 9 mois, c'est-à-dire pendant une période de la vie où les petits-enfants sont en poussée de croissance majeure. À partir de 1978 et jusqu'en 1996, tu vas exercer la médecine à Orange dans le Vaucluse en tant qu'homéopathe, acupuncteur et même psychanalyste autour des années 1995. En 1994, Alain Scoï, tu vas découvrir donc les microzymas et le professeur Antoine Béchamp, dont on va longuement parler ce soir. Et le travail remarquable du professeur Béchamp ses travaux t'ont permis de mieux comprendre les errements de la médecine officielle et de découvrir un nouveau paradigme médical plus cohérent en tenant compte des microzymas, des vitamines et aussi de la psychosomatique. En 1996, tu vas être radié à vie de l'Ordre des médecins pour délit d'opinion et tu as osé demander à tes pairs l'application du principe de précaution et du code de déontologie médicale lors de la campagne de vaccination contre l'hépatite B en 1994 dans les collèges et lycées, un vaccin nouveau, un soi-disant révolutionnaire, préparé sur des cellules OGM et testé à grands frais sur nos enfants. Dans cette affaire, encore une fois, le Conseil de l'Ordre des médecins était à la fois le plaignant et le juge. À la suite de cette sanction et avant qu'elle ne soit effective, tu as préféré démissionner et continuer à travailler comme accompagnateur thérapeute. Tu es aussi donc écrivain, conférencier dans le Gard jusqu'en novembre 2002. Et ensuite, tu es obligé de t'expatrier suite à un redressement fiscal et un acharnement judiciaire. Tu as subi même quelques années plus tard des attaques de la MIVILUD, qui est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. La sanction de l'Ordre des médecins a eu au moins un avantage essentiel selon toi. Ça t'a permis de comprendre que tu ne faisais pas partie de ces gens-là, entre guillemets, mais surtout, ça t'a permis de libérer ton esprit de toute contrainte dogmatique et tu as pu faire ton métier de médecin un art et une science en allant puiser à la source auprès de véritables chercheurs et scientifiques, comme par exemple le professeur Antoine Béchamp que je citais avec les microzymas, mais aussi le professeur Louis-Claude Vincent qui a développé la bioélectronique, le docteur Machi qui a travaillé sur la nocivité des champs électromagnétiques, le docteur Hammer qui a travaillé sur la médecine nouvelle et donc surtout ce qui est psychosomatique, et le docteur Kalokerinos, qui a travaillé la vitamine C. Donc, ces nouvelles orientations t'ont permis de modifier ta trajectoire professionnelle, et tu le dis humblement, je n'ai pas fait de grandes découvertes à mon niveau, mais j'ai pu faire la synthèse de toutes ces connaissances. Et aujourd'hui, donc, tu continues de pratiquer et de partager cette démarche thérapeutique avec tous ces nouveaux acquis. Voilà, donc, merci encore d'avoir répondu présent à l'invitation. Et donc, pour parler donc de cette révolution de la biologie et des microzymas, j'aimerais qu'on contextualise un peu quand même dans l'époque actuelle et dans la vision de la médecine moderne, avant donc de parler des travaux aussi d'Antoine Béchamp. Et donc, j'aimerais introduire notre échange sur les croyances actuelles assez rapidement, qui façonnent depuis plus d'un siècle toute notre approche de la biologie et particulièrement de la santé. Donc, c'est la théorie microbienne, également appelée la théorie pathogénique ou la théorie des germes. Cette théorie, elle propose donc que de nombreuses maladies sont causées par des micro-organismes. Et bien que très controversée lors de la formulation initiale, cette théorie, elle a été validée par la science dominante à la fin du 19e siècle et elle constitue désormais un élément fondamental de la médecine moderne et de la microbiologie clinique. Louis Pasteur a joué un rôle central dans le développement de cette théorie des germes. Il a d'ailleurs souvent été présenté comme un génie. Cette théorie a soi-disant conduit à d'importantes innovations comme l'invention des antibiotiques. Peux-tu, s'il te plaît, Alain, pour commencer un peu nous expliquer rapidement cette théorie microbienne sur laquelle est basée toute la virologie actuelle et qui est donc remise en question selon tes recherches et celles d'autres chercheurs qu'on va développer ce soir?
C'est pas compliqué quelque part. Quelque part, Béchamp a pu démontrer de façon absolument rigoureuse et scientifique que jamais une bactérie ou un virus n'infectait ou ne déclenchait une maladie chez quelqu'un qui n'était pas, qui ne faisait pas partie quelque part de son entité, quoi. En fait, les bactéries sont endogènes, c'est nous qui les construisons et nous les construisons pour nous guérir. Les bactéries ne sont jamais des instruments qui nous agressent ou des agresseurs, des guerriers qui viendraient nous faire du mal. Elles sont là pour démonter, réparer, démonter une tumeur par exemple, réparer quelque chose qui a été lésé et ou éliminer évidemment des corps étrangers s'il y a eu une effraction accidentelle par une plaie ou je ne sais quoi. Mais elles ne viennent jamais, en aucun cas, agresser un individu qui n'est pas de leur nature. En fait, elles sont construites par nos mycosymas, dont nous allons parler abondamment. Et lorsqu'elles arrivent par hasard chez un individu qui n'appartient pas à leur entité d'origine, eh bien, elles disent bonjour, elles peuvent éventuellement transmettre quelques informations, mais elles ne se multiplient pas et elles repartent. Donc ça, c'est très très important de comprendre. Et ce que la médecine officielle, on devrait plutôt dire la religion médicale officielle, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une science, ce n'est même plus un art, c'est une religion, hein, avec son grand sacrement qui est le vaccin. Hein. Les vaccins sont le sacrement de cette grande religion. Donc, pour ces gens-là, il y aurait des virus. Mais ces virus, ce qu'ils prennent pour des virus, sont nos propres mycosymas, qui se trouvent bien sûr absolument partout dans notre corps. On en a des milliards et des milliards. Et il y en a à l'intérieur de nos cellules, il y en a à l'extérieur de nos cellules, il y en a partout. Et donc, lorsqu'il parle d'exosomes, lorsqu'il parle de virus, il parle en fait de mycosymas et de nos propres mycosymas qui ne sont pas des agresseurs. Il faut savoir aussi que lorsqu'ils font du séquençage de génome ou des choses comme ça, en fait, ils travaillent, ils n'ont jamais isolé de virus, encore moins prouvé que des virus pouvaient déclencher des pathologies si on les injectait à un autre individu. Ça, ils ne l'ont jamais fait. Mais quand ils font un séquençage, ils utilisent une soupe où il y a à la fois des cellules embryonnaires humaines, des cellules de singes verts d'Afrique, des cellules cancéreuses véraux. Donc, c'est une véritable soupe à l'intérieur desquelles ils décident qu'il y a les soi-disant virus. Et puis, par spectrographie, ils déterminent les différents composants dans cette soupe. Et à partir de ça, avec leur idée préconçue, ils vont prétendre que tel ou tel virus existe ou tel virus n'existe pas. Mais c'est un petit peu... Il y a une bonne comparaison qui a été proposée par le docteur Stéphane Lanka, qui est un très grand virologue, hein, mondialement connu, et qui explique que c'est un petit peu comme si on mettait dans une grande boîte toutes les lettres de l'alphabet en très très grand nombre, et puis que tous ces éléments-là, en fait, on les rentre dans un ordinateur, et on demande à l'ordinateur de sortir une phrase préfabriquée, quoi. C'est-à-dire, il fait beau aujourd'hui, par exemple, on demande avec ces éléments-là de sortir « il fait beau aujourd'hui ». Mais on peut sortir n'importe quelle phrase, n'importe quel paragraphe de livre, n'importe quoi. Donc en fait, tous ces séquençages de génome, c'est vraiment, c'est du n'importe quoi, quoi. C'est complètement absurde et ça ne tient pas la route, ça n'a aucune réalité objective. Voilà ce que je peux dire pour la guerre bactériologique et virale. Et alors après, pour comprendre ce que je disais tout à l'heure, et ça c'est très très important, c'est que en fait, une maladie est un processus de guérison. Que vous ayez la grippe, qu'il soit étiqueté Covid ou pas, ou qu'il soit étiqueté n'importe quoi, c'est un travail de guérison. Ça veut dire qu'il y a eu auparavant une pathologie, c'est-à-dire une souffrance morale, qui est passée le plus souvent inapparente, et c'est cette souffrance morale qui se guérit. Et cette épidémie de Covid, soi-disant épidémie de Covid, parce que c'était une grippe banale comme toutes les grippes de chaque année, mais en admettant qu'il y ait une spécificité à cette épidémie de Covid, elle est un peu plus grave que les autres parce que ça fait depuis les gilets jaunes, depuis 2018, avec tout le matraquage qui a été fait par Castaner et compagnie,
si vous voulez, le stress a été extrêmement important dans la population, et c'est pour ça qu'il y a eu des pathologies préexistantes, inapparentes, et puis lorsque on lâche prise, à ce moment-là, on fait la maladie qui est une réparation. Et ce qu'il faut bien comprendre là aussi, c'est qu'au lieu de se battre contre un prétendu virus ou contre une maladie, il faut simplement aider notre corps, aider nos microzymas en lui apportant les vitamines, les oligo-éléments dont il a besoin. On a beaucoup parlé de la vitamine D, mais il y a aussi la vitamine C, il y a les vitamines du groupe B, il y a énormément de vitamines qui peuvent accélérer de façon considérable le processus de guérison. La pire des grippes ne dépasse pas 48 heures si on est suffisamment complémenté en vitamine C, en vitamine du groupe B, éventuellement en vitamine E, etc. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Merci beaucoup. La maladie est un processus de guérison, on va y revenir, hein. C'est évidemment à l'opposé de ce qu'on peut comprendre ou de ce qu'on a pu apprendre depuis qu'on est petit et qu'on est jeune. Mais avant de développer, de mieux comprendre ce concept avec vous, j'aimerais rapidement revenir aussi sur Louis Pasteur. Je le disais en introduction parce qu'il est vraiment présenté comme un génie français. Je rappelle, hein, pour le contexte, hein, il est né en 1822 et mort en 1895. C'est donc un scientifique français, chimiste et physicien de formation et non pas biologiste ou médecin, comme on pourrait le croire, et il nous est présenté comme le pionnier de la microbiologie. Il a été reconnu de son vivant même, il a une grande notoriété, hein, avec par exemple son vaccin contre la rage, il a travaillé sur la fermentation, sur la pasteurisation, il a aussi mené une lutte contre les partisans de la génération spontanée, mais évidemment c'est une présentation très embellie et édulcorée, et avec plus d'un siècle de recul, il y a de nombreux chercheurs qui ont montré certaines méthodes de Pasteur étaient loin d'être de respecter tous les protocoles. À la fois il s'est accaparé les travaux de certains chercheur, il a manqué de rigueur, il a passé aussi sous silence certaines contradictions qu'il a pu relever dans ses expériences. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelques préjugés et quelques idées reçues autour de Pasteur ou quelques anecdotes qui montrent comment ce mythe derrière Pasteur est un mythe bien exagéré par rapport à ce qu'il a pu apporter à la médecine moderne? Ça, c'est pas difficile. Pasteur n'hésitait pas à cambrioler le laboratoire de ses collègues pour aller récupérer leurs notes sur les paillasses de leur laboratoire. Tu parlais tout à l'heure de pasteurisation, c'est pas le bon terme. Ce n'est pas Pasteur qui a inventé la pasteurisation, c'est un ingénieur qui s'appelait Appert, A-P-E-R-T. Et on devrait dire l'apertisation et non pas la pasteurisation. Donc ça, c'est important à comprendre. En fait, Pasteur n'avait aucune formation biologique ou médicale. Il était juste chimiste et physicien. C'était déjà pas mal. Il a eu beaucoup de mal d'ailleurs à obtenir son baccalauréat. Hein. Il avait beaucoup de difficultés avec les mathématiques. C'était assez spécial. Voilà. Et tu disais aussi qu'il était un défenseur et qu'il était plutôt, il s'était opposé à la génération spontanée. Mais ça, c'est la deuxième partie de sa vie. Toute la première partie de sa vie, c'était un fervent partisan de la génération spontanée. Et le principe de la génération spontanée, c'est, il faut bien le comprendre, hein, il faut savoir que, bon, c'est sûr que l'Église catholique a commis bien des abus au XIXe siècle et dans les siècles précédents, on a vu avec l'affaire de Galilée et bien d'autres. Et par conséquent, les savants voulaient absolument démontrer qu'on pouvait se passer du Créateur pour expliquer la vie. Et par conséquent, ils partaient du principe que si on laissait une soupe de légumes ou un jus de fruits sur une paillasse au bout de quelques temps, il se produisait des fermentations, on voyait apparaître des bactéries à l'intérieur. Et donc, c'est à partir de cette apparition des bactéries qu'ils se sont dit les bactéries apparaissent spontanément dès lors qu'il y a les ingrédients nécessaires pour que la vie puisse se manifester. Voilà, donc ça c'est la théorie de la génération spontanée, on dit aussi le spontépérisme, hein, il y a différentes terminologies. Et si vous voulez, pour vous donner une image assez symbolique de cette histoire-là, hein, imaginez que vous preniez votre voiture, que vous la démontiez en pièces détachées. Vous dessoudez les tôles, vous démontez absolument toutes les pièces, y compris les petites aiguilles, les petites vitres des cadrans, les fils électriques, vous démontez absolument tout. Et vous mettez tout en vrac dans une grande boîte. Ensuite, vous fermez cette boîte de manière étanche.
on peut imaginer que cette boîte est en plexi transparente et puis vous avez le droit de secouer la boîte autant de milliards de fois que vous voulez, dans tous les sens que vous voulez, la retourner, la faire ce que vous voulez, vous pouvez faire passer des rayons X, des rayons ultraviolets, absolument tout ce que vous voulez, des arcs électriques, voilà. Mais au bout du compte, au bout de je ne sais combien de milliards d'années, la voiture sera en état de rouler. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est totalement impossible. Et donc, le mythe de la génération spontanée, il a été abandonné. Mais il faut savoir qu'il repose sur les théories de Darwin et que les théories de Darwin, elles, sont toujours à la base de l'enseignement qui est donné dans les collèges et les lycées aujourd'hui et dans les facultés. Donc, on est dans une absurdité totale, une contradiction absolue. Tous les savants aujourd'hui sont unanimes pour dire que la génération spontanée est impossible. Voilà. Et donc, Pasteur a bien dû se ranger à l'évidence, à la suite des travaux de Béchamp, d'ailleurs, hein, qui n'a fait que copier. Et... voilà. Pasteur, c'était quelqu'un qui copiait. Il recopiait. C'était un travailleur acharné, mais son travail consistait essentiellement à lire les comptes rendus de ses collaborateurs et de ses concurrents. Et puis, dans un premier temps, à les critiquer et ensuite à se les approprier. Mais en fait, il n'a strictement jamais rien découvert. Et tu parlais tout à l'heure du vaccin contre la rage. La plupart des médecins sérieux de l'époque, mais c'est un petit peu comme aujourd'hui avec le Covid et cette inoculation anti-Covid, soi-disant, qui serait soi-disant un vaccin, c'est un petit peu la même chose. En fait, tous les médecins sérieux de l'époque dénoncer le fait que le vaccin de la rage de Pasteur déclenchait la rage plutôt que d'en prévenir. Hein, et les rares individus comme le jeune Meister ou d'autres, ou le petit Jubin, qui ont réussi à en réchapper, c'est qu'ils avaient un sacré bon terrain, parce que sinon, ils seraient morts non pas de la morsure du chien, mais de la rage inoculée par Pasteur. Parce que Pasteur inoculait carrément la rage. Et c'était la rage du lapin. Hein. Il y a d'ailleurs eu un scandale notoire par rapport à ça. Un de ses enfants, qui a été donc soi-disant vacciné par Pasteur, qui est mort de la rage du lapin, et non pas de la rage du chien. Donc c'est une rage fabriquée en laboratoire, on peut dire, en quelque sorte. Et donc il y a le père a porté plainte, il y a une autopsie qui a été faite, et le chirurgien, enfin le médecin qui a fait l'autopsie, a prétendu qu'il était mort d'une crise d'urémie pour ne pas porter ombrage aux grandes théories du grand Pasteur, parce que Pasteur était déjà très célèbre à l'époque. Il faut savoir que la technique majeure de Pasteur, c'était de lécher les bottes. Hein. C'était contenter des bottes, on ne va pas dire plus haut. C'était vraiment quelqu'un qui léchait les bottes. Il était toujours dans les jupons de l'impératrice, de la femme de Napoléon III. Il était tout le temps à la cour, il passait sa vie à la cour. C'était vraiment quelqu'un d'assez ignoble, hein, sur le plan humain. D'ailleurs, il avait un caractère de cochon. Hein, tous les gens qui l'ont fréquenté disaient qu'il avait un caractère absolument impossible. Il ne supportait pas la moindre contrariété. C'était vraiment un sacré tempérament. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Et ça fait penser aujourd'hui aux injections qui sont faites contre le virus dont on parle depuis 2 ans, avec beaucoup de personnes qui sont vaccinées, qui déclenchent une maladie, enfin en tout cas, qui, comme s'ils avaient le virus juste après ou quelques jours après l'injection. Peut-être aussi rapidement montrer aussi l'impact de Pasteur dans son approche par rapport au vivant, par rapport à la biologie. On s'imagine pas, mais Pasteur en fait a influencé toute notre société dans de nombreux domaines. On pourrait faire peut-être un parallèle avec la théorie de Darwin, mais aussi avec le monde de l'agriculture. Ou dans l'agriculture, par exemple, on va utiliser des pesticides, des désherbants comme le Roundup, hein, qui a fait la une des médias ces dernières années. Et c'est un produit qui va tuer l'herbe. Pourtant, on peut se poser la question, est-ce que l'herbe n'a pas une fonction sur Terre? Pourtant, on sait faire de l'agriculture sans désherbants. Et malheureusement, même dans l'agriculture biologique, par exemple, cette approche et ce paradigme de Pasteur va impacter l'agriculture biologique, ou même dans l'agriculture biologique, on va utiliser des désherbants bio pour essayer de tuer le vivant, alors que un japonais très connu, Fukuoka, hein, qui travaillait sur l'agriculture naturelle, disait qu'en fait, il n'y avait pas de mauvaises herbes, c'était simplement des herbes dont on n'avait pas encore découvert les vertus. Donc, Pasteur, en fait, a eu un impact au-delà du monde de la santé.
Oui, en fait, Pasteur, c'est vraiment le fondateur de Big Pharma. Hein. Il a commencé déjà de son temps par récupérer la fortune de toutes les veuves en les faisant pleurer, en leur racontant ses soi-disant malheurs. Et en fait, sa théorie repose sur un principe manichéen qui est simpliste, qui relève du Goldorak. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez des dessins animés Goldorak et compagnie, quoi. C'est-à-dire avec le bon qui se bat contre le méchant. Donc, la théorie de Pasteur, c'est la guerre. Il faut faire la guerre à tout. Et selon Pasteur, le créateur est vraiment un abruti et un sadique parce qu'il n'a rien fait de bien. Non seulement il n'a rien fait de bien, donc il faut corriger. C'est pour ça qu'on met des herbicides et compagnie. Mais en plus, il envoie des maladies, il envoie des virus, il envoie des bactéries. Donc, c'est un sadique, quoi. Et je pense que ça va bien au-delà de l'agriculture. Ça va même au niveau du spirituel profond. Quelque part, les théories de Pasteur ont amené la population mondiale à se couper, justement, de plus en plus de cette reliance avec le Créateur et de cette gratitude qu'on devrait avoir en permanence par rapport à la splendeur du vivant. Tu parlais de l'herbe. L'herbe, elle permet d'aérer la terre. Et c'est très important. Il n'y a pas besoin de labourer, de faire des tas de traitements à la terre. Il suffit de laisser faire la nature, laisser faire le bon Dieu. Il sait très bien se débrouiller. Et l'herbe permet d'aérer la terre. C'est pareil pour les taupes, c'est pareil pour tous les petits animaux qui travaillent. Lorsqu'on examine de la terre qui n'a pas été détruite par les herbicides et toutes ces saletés, on constate que c'est des tas et des tas et des tas d'insectes minuscules et de micro-organismes qui sont entre microbes et insectes. C'est extraordinaire et c'est une vie fabuleuse. Hein. Et donc, il faut respecter tout ça, il faut arrêter de détruire et puis il faut que l'homme retrouve qu'il retrouve la gratitude, parce que l'univers est magnifique, c'est une splendeur, et à condition bien sûr que l'homme ne le détruise pas. Voilà. On est là pour vivre en symbiose avec notre environnement et non pas être dans donc, ce rapport conflictuel permanent. Ça fait penser aussi à cette ère de la compétition, alors que les êtres humains devraient coopérer et sont complémentaires pour construire une société avec un vivre ensemble agréable pour tous. Pour faire la transition un peu vers cette révolution de la biologie et des micro-images, j'aimerais un peu savoir quels ont été les déclencheurs dans votre parcours personnel, parce que vous avez donc une formation classique hein, de médecin, docteur en médecine. Je le disais en introduction, vous avez pratiqué donc en tant que médecin de campagne, puis après, vous avez élargi votre approche. Et est-ce que vous pouvez nous partager un peu quel a été le processus et quels ont été les événements déclencheurs qui vous ont permis donc de progressivement vous ouvrir à une vision nouvelle de la santé, de la biologie, contrairement à cette époque où aujourd'hui, encore en 2022, le dogme pasteurien est enseigné dans toutes les universités de médecine et malheureusement est pratiqué par la quasi-totalité du corps médical. Oui, c'est pas compliqué, si tu veux. C'est, quand tu sors de 8 ans de faculté, tu as le cerveau bien lavé. Hein, mais c'est vraiment un lavage de cerveau total. Et par contre, je ne me suis jamais résigné, ni pour mes clients, ni pour mes enfants. J'ai eu 8 enfants, donc c'est aussi par eux que j'ai fait ce travail. Hein. Le premier a très bien supporté, il a eu un BCG à un mois, et puis ensuite il a eu 3 tétracoques, et il les a très bien supportés. Mais le second, qui est arrivé après, il a été malade, mais malade à un point, au point que je suis allé, il a reçu l'extrême onction à plusieurs reprises, et je suis allé me baigner avec lui à Lourdes à l'époque, il était encore tout bébé, parce que on était à peu près certain qu'il passerait pas l'année, quoi. Et ça a été vraiment ça le premier point qui m'a fait réfléchir et qui m'a fait me dire, mais c'est pas possible, on m'a appris des bêtises, il doit y avoir quelque chose qui va pas. Donc il m'a fallu quand même 3 ans pour comprendre que de 0 à 9 mois, un bébé qui grandit de 4 à 5 cm par mois, il a autre chose à faire qu'à apprendre à se battre, soi-disant, contre telle ou telle maladie. C'est pas le moment, quoi, hein, d'autant plus qu'il ne craint pas ces maladies, il y a pratiquement aucune chance qu'il attrape la coqueluche, c'est rarissime que la coqueluche intervienne avant un an.
la diphtérie, le tétanos et la polio, encore moins. Donc, déjà pour comprendre qu'il fallait tempérer ces velléités de protection et de... C'est hallucinant. Je voyais encore tout à l'heure dans la voiture, j'avais une lettre évidemment que je n'ai pas écoutée pour faire un dépistage parce que je suis âgé, parce que si, parce que mi. Mais il faut arrêter les dépistages, il faut faire confiance à la vie, arrêtez, vivez, profitez de chaque seconde qui vous est donnée, vivez, profitez et arrêtez. C'est la médecine du docteur Knock, c'est une horreur. Hein, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire confiance. Je crois que tant que vous sentez bien dans votre corps, vous n'avez rien d'autre à faire. Voilà, donc mon premier titre, ça a été « Cet état de santé des enfants » lorsqu'ils étaient vraiment petits, avant 9 mois. Et alors, ils étaient vraiment dans un environnement qui était le leur au niveau héréditaire. C'était un environnement qui était rude, mais qui était sain. Il n'y avait pas de polluants à l'époque, c'était une terre d'élevage, c'était dans l'Aveyron, donc il n'y avait rien, il n'y avait aucune usine, il n'y avait rien qui pouvait polluer. Et ces enfants étaient sans arrêt malades. Et donc, il m'a fallu 3 ans pour comprendre que, en fait, ça venait des vaccins. Et ces vaccins qui, en fait, j'ai compris plus tard que ces vaccins déclenchaient ce qu'on appelle la maladie de Barlow, c'est-à-dire, en fait, le scorbut de l'enfant, du bébé. Et c'est pour ça qu'ils étaient sans arrêt malades. En fait, chaque vaccin, il faut savoir que chaque stress double les besoins en vitamine C, et l'être humain ne sait pas synthétiser cette vitamine C, et donc il est absolument essentiel de se complémenter en vitamine C si on veut être en bonne santé, quel que soit l'âge. Hein. Ça, et puis du 1er janvier au 31 décembre. Voilà, donc ça a été ma première découverte. Et puis, quand je me suis installé comme homéopathe, j'étais reparti avec la même idée, c'est-à-dire que les vaccins, c'est bien, puisque le lavage de cerveau n'était pas encore nettoyé, en quelque sorte, c'était toujours dans le système. Mais on attendait 1 an pour faire les vaccins. Et un jour, il y a un papa qui est arrivé et qui m'a dit, écoutez, j'ai 2 enfants en bas âge. Selon vos théories, je dois les faire vacciner, mais je n'ai pas envie. Mais j'ai aussi envie de vous faire confiance. Alors, ce que je vous propose, on met carte sur table. Vous me faites une ordonnance pour acheter les vaccins. Je les garde dans mon frigo à plus 4 degrés C pour qu'il n'y ait aucun problème, que les vaccins restent valides. Je vous prête un livre et je vous demande de le lire. Et à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, quand vous me dites qu'il faut amener les enfants pour les vacciner, je vous les amène. Voilà. Donc, c'est comme ça que tout a vraiment commencé à se remettre en cause. Parce que le livre qu'il m'a prêté, c'était le livre de Fernand Delarue, qui s'appelle « L'intoxication vaccinale ». J'ai lu ce livre et j'ai enfin compris que les vaccins, c'était une imposture totale. C'est-à-dire que ça n'avait strictement aucune efficacité, mais aucune. C'est un mensonge absolu, ça n'a jamais protégé d'aucune maladie. Au contraire, le vaccin polio a déclenché des milliers et des milliers de polio chez des enfants, surtout lorsqu'il était sous forme orale. Bon, un peu moins après, parce que lorsqu'ils l'ont fait qu'en injectable, ils ont rajouté du chlorure de magnésium, qui est un ersatz de la vitamine C, c'est-à-dire c'est moins efficace que la vitamine C, mais c'est un ersatz de la vitamine C, donc ça diminue un petit peu les risques que l'on pouvait avoir avec ce vaccin. Voilà, donc en fait, les vaccins n'ont jamais protégé, ils n'ont jamais éradiqué la moindre maladie. Il faut savoir que l'Angleterre a abandonné la vaccination antivariolique. Ce n'est pas Pasteur qui a inventé le vaccin, hein, c'est Sir Jenner en Angleterre en 1789 qui a inventé le vaccin antivariolique. Et l'Angleterre a pratiqué la vaccination antivariolique pendant des années, à la fois sur son territoire et sur tout le Commonwealth, c'est-à-dire sur un immense territoire mondial. Et puis, compte tenu des catastrophes que ça a déclenchées, elle a retiré l'obligation vaccinale en 1900. Et en 1901, la France a rendu le vaccin antivariolique obligatoire sur toute la France et toutes les colonies françaises. Et donc, ça a relancé l'épidémie de variole
dans notre métropole et dans toutes les colonies françaises à l'époque. Donc ça a été absolument catastrophique. La variole a quand même fini par disparaître dans les années 70-75, mais ça aurait disparu bien avant si on n'avait pas fait cette campagne de vaccination complètement délirante. Et le deuxième point, alors ça j'ai découvert ça beaucoup plus tard par rapport aux vaccins, puisqu'on parle des vaccins, j'en finis avec ça, c'est que jusque dans les années 1950, l'adjuvant de l'immunité était inoffensif. Ça, il faut savoir qu'un vaccin est composé de deux parties. Il y a ce que j'appelle la soupe de purulence, c'est-à-dire ce qui est soi-disant destiné à nous faire fabriquer des anticorps pour nous protéger contre telle ou telle maladie, ce qui est absurde. Mais bon, ça encore, c'est pas trop dangereux. Mais il y a aussi à côté un produit chimique, un poison chimique, qu'on appelle l'adjuvant de l'immunité. Jusque dans les années 1950, ce poison chimique n'était pas trop méchant. C'était à peu près tolérable. Mais dans les années 1950, et à partir de là, ils ont remplacé tous les adjuvants de l'immunité par de l'hydroxyde d'aluminium, et à des doses hallucinantes. Il faut savoir, ça c'est très très important, d'après le centre antipoison de Paris, le docteur Garnier, en 1997, expliquait qu'à 60 microgrammes d'aluminium par litre de sang, un bébé n'a pas plus d'un litre de sang, hein, donc à 60 microgrammes d'aluminium par litre de sang, les dégâts sont irréversibles. Et ce sont des dégâts essentiellement neurologiques. Mais ça touche aussi le rein et le squelette. C'est pas rien. Donc le système nerveux, les reins et le squelette. Voilà, 60 microgrammes, dégâts irréversibles. Eh bien, dans chaque seringue, jusque dans les années 2000, il y avait 1250 microgrammes d'aluminium, d'hydroxyde d'aluminium, c'est-à-dire plus de 20 fois la dose toxique. Donc, c'est hallucinant d'entendre des choses pareilles. Et je crois aujourd'hui, ça c'est ma croyance, après vous en faites ce que vous voulez, ce que je crois aujourd'hui, c'est que les délires génocidaires des satanistes qui sont à la tête du gouvernement mondial, qui essayent de prendre le pouvoir partout dans le monde, ces délires eugénistes, ils ont commencé dans ces années 1950 à être mis en pratique. Et ça a raté. Et ça a raté pour quelle raison? Alors ça, je crois qu'il faut en rendre grâce au bon Dieu, mais on ne sait pas trop pourquoi ils ont raté. Donc l'hydroxyde d'aluminium n'a pas été suffisamment efficace pour éradiquer la population. Heureusement. Mais je crois qu'avec le vaccin, enfin le soi-disant vaccin Covid aujourd'hui, là, ça va être une autre paire de manches. Hein. Cette fois-ci, ils ont mis le paquet. Voilà, je crois que je sais plus si je suis sorti de la question ou si j'étais. C'est pas seulement, je vous remercie, surtout que c'est des propos qu'on n'a jamais l'occasion d'entendre sur les vaccins. Et c'est ça aussi l'importance pour nous au front médiatique, au-delà de savoir qu'est-ce qui est la vérité, c'est de diffuser cette diversité de pensée et de faire entendre la voix de chercheurs indépendants qui sont à l'extérieur de la doxa et qui permettent à tout un chacun de se construire son propre opinion. Et donc, on va rentrer donc maintenant précisément dans le vif du sujet de cet ouvrage, donc La Révolution en biologie, les microzimas, que vous avez écrit, donc qui est disponible. On le mettra donc sous la vidéo en description. Et donc, c'est autour des travaux d'Antoine Béchamp. Donc, c'est au 19e siècle. Antoine Béchamp qui découvrait donc au cœur des êtres vivants, que ce soit les végétaux, les insectes, les animaux, les humains, des microcellules mesurant entre 30 et 60 nanomètres de diamètre. Et donc, il a fait plus de 40 ans de recherche et d'expérimentation rigoureuse qui lui ont permis de comprendre l'importance et le rôle de ces microcellules dans le processus de la vie. Étonnamment, chercheur, il est encore parfaitement inconnu, hein, à la fois pour le grand public, mais même dans le milieu médical. Je me suis amusé à poser la question à différents professionnels dans le monde de la santé. Et pourtant, il était quand même à l'époque en concurrence avec Pasteur. Il y avait énormément de dialogues et d'échanges de lettres entre deux sur l'avancée de leurs recherches. Et donc, vous, en 94, vous avez découvert Antoine Béchamp et vous jugez son travail comme remarquable. Hein. Ça vous a permis, vous le dites, de comprendre les errements de la médecine officielle et de découvrir un nouveau paradigme médical plus cohérent en tenant compte des microzimas. Alors, qui est Antoine Béchamp et les microzimas Kesako, Alain? Oui, alors, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Antoine Béchamp, il est né en 1816, il est mort en 1908, donc il est né un peu avant Pasteur, et il est mort bien après lui. Il a vécu très longtemps. Oui,
Alors, lui, c'était un vrai savant, hein. Donc, il était à la fois bachelier en sciences mathématiques, agrégé en pharmacie, licencié en sciences physiques, docteur en sciences physiques et docteur en médecine. Donc, la compétence, il l'avait. Il a travaillé toute sa vie, il n'a jamais arrêté. Et c'était top. À côté de ça, c'était un bon chrétien. Et il était fermement croyant, profondément croyant. Donc, il était marié, il a eu des enfants, enfin, peu importe, c'est relativement accessoire, hein. Mais ce qui est important, c'est que, en tant que chrétien, il s'est opposé très vite, et pas très vite, tout de suite, dès qu'il a commencé ses recherches, à la théorie de la génération spontanée. Et la première finalité de son travail, c'était d'arriver à démontrer que la génération spontanée était impossible. Et pour ça, eh bien, il est reparti de l'histoire des fermentations dont nous parlions tout à l'heure. C'est-à-dire que vous laissez une soupe de légumes, un jus de fruits sur une paillasse de cuisine, au bout de quelque temps, on voit apparaître des bulles, des moisissures, etc. Et donc, il a étudié la question de façon extrêmement approfondie et il a essayé donc de mettre des antiseptiques dans sa soupe de légumes ou dans son jus de lait, dans son jus de fruits. Enfin, il travaillait plutôt sur de l'eau sucrée, hein, ce qui revient à peu près au même. Dès qu'il y a des nutriments, ça fonctionne, hein, cette fermentation a lieu. Voilà. Donc, il commence par mettre un petit peu d'antiseptique léger à l'intérieur de ses mélanges et il constate que là, il n'y a jamais de fermentation. Et puis, il va chercher plus loin. Et il constate au bout d'un certain temps que chaque fois qu'il y a fermentation, il y a apparition de moisissures. Et ces moisissures, il va les pister et il va comprendre qu'elles sont transportées par l'air et qu'elles viennent contaminer ce milieu non vivant. Il faut bien comprendre, hein, c'est un milieu qui n'est pas réellement vivant, qui n'est pas organisé. Voilà, ça c'est très très important à comprendre. Et donc, ces moisissures contaminent ce milieu vivant et déclenche ces fermentations, et déclenche donc l'apparition des bactéries, etc., etc. Voilà. Et un jour, il est sidéré de constater que les fermentations ont lieu sans qu'il y ait apparition de moisissures. Et le tube à essai est clair, en apparence, il n'y a rien. Et alors, il regarde de plus près, il prend une loupe, et il constate qu'il y a un tout petit dépôt blanc au fond du tube. Et donc, il va vider le tube et regarder ce qu'il a trouvé au microscope optique, hein, donc un grossissement de 750, ce n'était pas énorme, hein, à l'époque. Et à fond clair, il n'avait pas, il connaissait pas la technique du fond noir qui permet de très bien voir ces choses-là aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui est interdit d'ailleurs en France, hein, le fond noir, je ne sais pas si vous le savez, mais aucun biologiste en France ne connaît la technique du fond noir qui permet de voir des corpuscules de quelques nanomètres de diamètre. Voilà. Donc, il regarde ce petit dépôt au microscope et il constate que ce sont des microcellules et il va étudier ces microcellules. Donc, il va les mettre dans un autre tube à essai neuf avec de l'eau sucrée. Il constate que ça déclenche à nouveau une fermentation très rapidement. Et puis, il va faire un certain nombre d'expériences, il va les filtrer pour qu'il n'y ait que le jus dans l'eau dans lequel se trouvait ce petit dépôt qui va transmettre à un nouveau tube à essai dans lequel il y a de l'eau sucrée. Là, la fermentation a lieu, mais au bout d'un certain temps, ce jus n'est plus efficace. Donc, quelque part, il va en déduire la réalité des enzymes ou des imases. En fait, c'est le premier qui a mis en évidence les enzymes, qu'on appelait à l'époque zymases. Voilà. Et ces zymases sont fabriquées et sécrétées par ces microzymas, c'est-à-dire par ces microcellules qu'il a découvertes là. Et il les appelait microzymas justement parce que ce sont des entités microscopiques qui fabriquent des enzymes ou zymases. Voilà. Et il va continuer à étudier ces microzymas, donc jusqu'à la fin de ses jours. Hein. Il ne va jamais, jamais, jamais arrêter. Et il va découvrir maintes et maintes choses. C'est vraiment incroyable ce qu'il a pu découvrir. La première chose, on peut dire la plus importante qu'il a pu découvrir, c'est que si on met ces microzymas, donc ce petit dépôt blanc, dans différents milieux nutritifs,
eh bien, ces microzymas vont bâtir des bactéries et de formes différentes selon la qualité du milieu. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que si on met un milieu acide et oxydé, par exemple, eh bien, ils vont construire des bacilles tuberculeuses. Si on met un milieu à pH neutre et réduit, ils vont fabriquer du bacille tétanique. Si on met un milieu oxydé et alcalin, eh bien, ils vont fabriquer des bactéries classiques, genre staphylocoque, streptocoque, colibacille, piocyanique, etc., etc. Voilà. Et ce qu'ils constatent également, c'est que ces bactéries, elles redeviennent microzymas lorsque le milieu change. Donc, c'est la qualité du milieu qui fait apparaître telle ou telle bactérie. Et ça, après, avec la psychosomatique, on comprend très bien comment les choses se passent, parce que lorsque vous avez une pathologie, un petit cancer ou une érosion ou un problème quelque part dans votre corps, le cerveau envoie des informations biochimiques localement par le biais des nerfs, et à l'extrémité des nerfs, il y a des espèces comme des balais, hein, avec comme des griffes, on peut l'appeler. Et à ce niveau-là, il y a des petites vésicules qui contiennent un certain nombre de liquides, de neurotransmetteurs ou de liquides qui vont modifier le terrain localement, et ce qui va donner aux microzymas localement l'information de ce qu'ils ont à faire. Donc ça va modifier le terrain très localement, et ça va par exemple mettre en route le démontage d'une tumeur avec des bacilles tuberculeux, si c'est une tumeur du poumon, ou une tumeur des reins, ou une tumeur du tube digestif, ou avec d'autres bactéries, si c'est une tumeur du sein, ce sera plutôt des piocyaniques, des staphylocoques, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment tout à fait extraordinaire de constater que les découvertes de Béchamp au XIXe siècle sont toujours valides aujourd'hui. On retrouve toujours les mêmes processus, et dès que au niveau du corps, dès que le chantier de guérison est terminé, dès que la tumeur a été démontée, ces bactéries, ces bacilles tuberculeux redeviennent des microzymas, et tout reprend le cours normal de la vie en pleine santé. Donc quelque part, il faut retrouver cette notion qui est très très importante. Alors, autre notion importante, et ça c'est très très important aussi, c'est que dans la religion médicale officielle, hein, je dis bien la religion médicale officielle, parce que là ce sont des croyances complètement gratuites, on s'imagine que les cellules se multiplient et que les cellules sont l'unité de base du vivant. Eh bien, c'est absolument faux. Les cellules ne se multiplient jamais. Et même si vous voyez de super beaux films ici et là, il faut savoir que ce ne sont que des dessins animés. En fait, on n'a jamais vu de multiplication cellulaire sur le vivant, à part ce qu'on appelle la sissiparité, c'est-à-dire certains êtres vivants, comme les amibes unicellulaires, qui peuvent se couper en deux. Sinon, jamais les cellules ne se multiplient. Tout ce qu'on nous a raconté sur les mitoses, les méioses, toutes ces choses-là, c'est de l'invention pure et simple, ce sont des croyances totalement gratuites qui ne reposent sur aucune réalité scientifique. Donc ça, c'est très très important de comprendre cette chose-là. Alors, comment se construit la cellule? Eh bien, ce sont les microzymas qui s'associent pour construire la cellule, pour construire la membrane cellulaire. Donc, ce sont plusieurs couches de microzymas qui constituent la membrane cellulaire et qui deviennent, si vous voulez, quelque part lisses, qui se lissent. Et puis, cette membrane cellulaire va renfermer un milieu intracellulaire très particulier, avec des constantes ioniques très différentes du milieu extracellulaire. Donc en permanence, les microzymas de la paroi vont pomper le potassium à l'extérieur pour le faire rentrer dans la cellule, et ils vont chasser le sodium à l'intérieur de la cellule pour le faire sortir de la cellule. Donc il faut savoir que la concentration en sodium à l'intérieur de la cellule, elle est de 4,5 millimol, à l'extérieur de la cellule, elle est de 145 environ. Et le potassium, c'est l'inverse, 145 à l'intérieur de la cellule et 4,5 à l'extérieur de la cellule. Et pourquoi ce travail
de tri, de sélection entre le potassium et le sodium, c'est essentiellement pour créer des champs électromagnétiques extrêmement puissants qui vont permettre la transmission des informations d'un bout à l'autre du corps. Hein, il faut savoir, ça aussi, c'est des choses... On va chercher loin. Mais contrairement à ce que la plupart des gens croient, le sang circule très, très, très lentement. Il circule à moins de 1 cm à l'heure à l'intérieur du corps. Pourquoi ? Parce que lorsque le sang arrive au niveau des vaisseaux capillaires, chaque globule rouge est plus large que le diamètre du vaisseau capillaire. Et donc, il est obligé de se comprimer et de ramper littéralement pendant le millimètre, sur toute la longueur du millimètre du vaisseau capillaire. Et ça ne fait qu'un millimètre de long. Mais à notre échelle, ça ferait un kilomètre. Donc, imaginez que vous ayez une autoroute ou un circuit de cross ou je ne sais quoi, et qu'à un moment, vous soyez obligé de ramper dans un boyau à peine plus large que vous, dans le sens de la longueur, mais vous pouvez ramper, vous ne pouvez que ramper sur un kilomètre de long. Il est clair que ça stoppe la progression du sang. Chaque globule rouge est obligé de passer l'un après l'autre. Et c'est vraiment tout un travail pour chacun de ces globules rouges. Et donc, le sang circule très, très lentement. Voilà. Mais vous avez peut-être remarqué, surtout si vous avez mon âge, que lorsqu'on vous mettait un suppositoire de calyptine, par exemple, si vous avez des problèmes de respiratoire, eh bien vous comptez jusqu'à 3 et vous sentez le calyptine au niveau de la bouche. Et donc, ce n'est pas passé par le sang. C'est passé de cellule en cellule grâce à ces champs électromagnétiques dont je parlais tout à l'heure. Et donc, c'est excessivement important de comprendre ces mécanismes-là. Et le rôle des cellules est très important pour ça. Le deuxième rôle des cellules, qui est aussi très important et qui est aussi sous le contrôle des microzymas, et il contient un noyau. Et Béchon a pu démontrer que c'est à l'intérieur du noyau cellulaire que se trouve la plus grande concentration en microzymas. Qu'est-ce qu'ils foutent dans ce noyau cellulaire ? Donc ça, Béchon n'a pas pu déterminer. La seule chose qu'il a pu constater, c'est que s'il voulait récupérer beaucoup de microzymas, il fallait qu'il récupère des noyaux cellulaires. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur de ce noyau cellulaire ? Moi, je pense, ça c'est mon hypothèse, je pense qu'ils se reposent. Et je pense que le noyau cellulaire, c'est le dortoir des microzymas, c'est là où ils récupèrent après leur journée de travail. Et ils en ont bien besoin, eux aussi. C'est comme nous, ils ont besoin de temps de repos, je pense. C'est une supposition. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Donc, il n'y a pas de mitose, il n'y a pas de méiose, tout ça c'est de la foutaise. Les cellules sont bâties, elles sont démontées lorsqu'elles sont trop vieilles, et les microzymas qui la constituent repartent dans le circuit du milieu extracellulaire pour les rebâtir plus loin. C'est un petit peu, en fait, une cellule, c'est un peu comme une maison bâtie avec des pierres, et bien, sauf que ce sont des pierres vivantes qui sont réutilisables, qui sont recyclables, puisque Béchamp a pu démontrer également que ces microzymas sont quasiment immortels. C'est-à-dire qu'on retrouve des microzymas vivants dans la craie fossile qui a plus de 12 millions d'années. Je ne sais pas si vous imaginez. Et c'est ce qui explique que si vous avez un aquarium, un grand aquarium avec régénération de l'eau, etc., et chauffage et des poissons à l'intérieur, et si vous mettez de la nourriture, si vous l'oxygénez correctement, eh bien, au bout de quelques temps, votre aquarium sera envahi de coquillages, parce que vous aurez mis au fond de la litière dans laquelle il y a, entre autres, du calcaire, de la craie, et donc des microzymas fossilisés qui ont 12 millions d'années ou plus. Eh bien, ces microzymas, s'ils se retrouvent dans des conditions adéquates pour vivre et pour travailler et pour construire, ils se remettent à construire des coquillages, les mêmes coquillages dans lesquels ils se trouvaient il y a 12 millions d'années. Et ce sont des coquillages tout à fait vivants, avec l'animal à l'intérieur, avec la coque, avec absolument tout ce qu'on veut. Et c'est la plaie des aquariophiles. Voilà. Donc ces microzymas sont quasiment immortels. On ne peut pas dire qu'ils sont éternels, parce qu'on ne sait pas d'où ils sortent. Ça, jamais personne n'a pu dire d'où ils nous venaient. Mais voilà. Ce qu'on sait aussi, quand même, c'est intéressant par rapport aux microzymas, c'est que les microzymas ont été redécouverts par les géologues à la fin du XXe siècle, dans les années 1990-2000. Et les géologues ont constaté qu'il y en avait sur les météorites en provenance de Mars. Donc, c'est étonnant. Donc, Mars, il y a des microzymas vivants. Et si la planète Mars est rouge, c'est qu'il y a la rouille. Et il faut savoir que le fer ne peut rouiller qu'en présence d'oxygène et de microzymas.
s'il n'y a pas de l'oxygène et des microzymas, le fer ne rouille pas. Donc voilà, c'est pas pour rien que la planète Mars est rouge, c'est parce que c'est une planète qui a sûrement été habitée, elle est peut-être toujours, mais peut-être pas en surface, je ne sais pas trop, ça c'est pas mon domaine. Voilà, donc c'est très intéressant. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Donc, ils sont quasiment immortels, ce sont eux qui bâtissent les bactéries lorsqu'il y a besoin de bactéries, je vous l'ai dit, ce sont eux qui bâtissent les cellules, ce sont eux qui assemblent les cellules dans les organes et qui réunissent donc le squelette microscopique du corps qui est fait de fibres collagènes et de fibres élastiques. C'est eux qui le maintiennent bout à bout. C'est une espèce de trame en trois dimensions. Hein, ça part dans tous les sens. À chaque croisement, il y a un microzyma qui le maintient très solidement. Il faut savoir que du tissu collagène, un corps vivant, d'ailleurs vous avez pu remarquer si jamais vous êtes entré en collision avec un sanglier ou avec un chevreuil, la voiture, elle a eu mal hein, en général. Bon, quelque part, le tissu collagène à volume égal est plus solide que le béton armé de la meilleure qualité qui soit. Donc il faut dire à quel point c'est quelque chose de sérieux et de solide. Voilà, donc c'est eux qui bâtissent tout, qui construisent tout, et donc les géologues qui ont redécouvert les microzymas, qu'ils ont baptisé nanob ou nanobactéries hein, à la fin du XXe siècle, ils ne connaissaient pas Béchamp bien sûr, ils n'étaient même pas biologistes, mais ils ont pu constater qu'au cœur de chaque microzyma, il y a donc déjà une membrane et il y a un cristal de silicium. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça va expliquer énormément de choses. Alors, donc, quelque part, le microzyma mesure entre 30 et 60 nanomètres de diamètre. Donc, c'est vraiment tout petit. C'est la taille d'un virus, à peu près, d'un soi-disant virus, puisqu'en fait, les virus n'existent pas. Et il y a une membrane et il y a un milieu intra-microzymien qu'on peut appeler le cytoplasme pour faire référence à la cellule, mais qui n'est pas du cytoplasme, puisque c'est dans le microzyma, et il y a ce cristal de silicium. Et à quoi sert ce cristal de silicium? Alors là, encore, on en est aux hypothèses, mais je pense que ce cristal de silicium, c'est un petit peu comme, vous savez, c'est les postes à galène qu'on avait pendant la guerre de 39-45 et bien après, et longtemps après, qui permet d'aller lire certaines ondes radio en fonction de leur fréquence, etc. Et je pense que c'est ce cristal de silicium qui va permettre au microzyma, quelque part, de lire toutes les informations qui se trouvent à la fois à l'intérieur de son cytoplasme interne, donc qui sont les informations génétiques héréditaires, et à l'extérieur. Hein, toutes les informations, on parlait tout à l'heure du milieu bioélectronique local, oxydé, réduit, acide, etc. Donc tout ça, c'est important de comprendre ces notions-là. Je pense que c'est grâce à ce cristal de silicium que le microzyma est capable d'avoir ces informations et de travailler en cohérence avec les autres microzymas à côté de lui. Donc tout ça, c'est très 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 intéressant. Voilà, bon, qu'est-ce que je peux vous dire encore? On pourrait tant en dire sur les microzymas. Et qui fabrique microzyma, quelle est l'usine qui fabriquerait microzyma? Ah ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien. La seule chose qui est sûre, c'est que lorsqu'on parle de respiration cellulaire ou de combustion cellulaire, on est aussi dans des croyances erronées. C'est pas à l'intérieur de la cellule que la respiration et la combustion a lieu, mais c'est à l'intérieur du microzyma. Ah oui, s'il y a un truc aussi que je ne vous ai pas dit, c'est que ces géologues ont constaté également que les réactifs ADN sont positifs pour les microzymas, ce qu'eux appellent nanob ou nanobactéries. Donc, alors l'ADN, c'est encore quelque chose, on ne sait pas grand-chose sur l'ADN. Hein. La première photographie qu'on a, c'est une photographie de la diffraction des rayons X qui date de 1953. Et la première photographie d'un brin d'ADN mort et pas vivant, objective faite au microscope électronique, ça date de décembre 2012. Ce sont des scientifiques italiens qui ont réussi à photographier cette histoire-là. Dire que c'est de l'ADN, il faut quand même avoir des idées préconçues parce qu'on ne sait même pas si c'est une hélice. Ça, on n'est même pas capable sur cette image d'être certain que c'est une hélice. Double ou simple, on n'en sait rien. Hein. Voilà.
Donc, on attribue à l'ADN énormément de qualités, de propriétés. Ce serait le transporteur des informations héréditaires et génétiques et tout ça. Je suis absolument persuadé qu'il n'en est rien. Ça, c'est une conviction, c'est pas une certitude scientifique. Mais à mon avis, ça n'en est rien. L'ADN et l'ARN, ils sont simplement, s'ils existent réellement, ce qui est probable, mais ce qui est pas certain, s'ils existent réellement, ils sont probablement simplement ce qui permet aux microzymas de reconstruire nos métabolites. Ça aussi, c'est important. Quand vous mangez de l'œuf, par exemple, un œuf contient énormément de cholestérol. Mais ce cholestérol est détruit par la digestion. Et le cholestérol que vous avez dans votre sang, il est bâti, il est construit par les microzymas de votre foie au niveau du foie. Et pour construire ce cholestérol, ils ont besoin d'une chaîne de montage, on peut dire. Et si l'ADN existe, à mon avis, c'est ce rôle qu'elle a. Alors, ce n'est pas qu'au niveau du foie que le cholestérol est construit. Il est construit aussi au niveau du système nerveux. Et c'est d'ailleurs tout le drame des statines. Hein. Quelque part, les statines sont des médicaments épouvantables, des toxines effroyables qu'on a administrées et qu'on continue à administrer aujourd'hui aux gens qui ont un taux de cholestérol un peu élevé, sous prétexte de leur faire descendre artificiellement pour éviter, soi-disant, l'infarctus ou des complications. Mais c'est complètement absurde, tout ça, ça relève de l'incohérence la plus totale. Mais le problème, c'est qu'en donnant ces statines, ils interdisaient, ils détruisaient aussi le cholestérol cérébral qui sert à fabriquer la myéline des nerfs. Et la myéline, c'est la gaine isolante de chaque nerf, et c'est excessivement important, et c'est quelque chose qui est probablement très très responsable, entre autres choses, de la flambée d'Alzheimer qu'on constate aujourd'hui extrêmement précocement, hein, chez des gens qui justement ont pris ces statines ou ont eu beaucoup de vaccins, hein, puisque les vaccins aussi, l'hydroxyde d'aluminium dont nous parlions tout à l'heure, est manifestement responsable d'une dégénérescence du cerveau, ainsi que le mercure. Alors ça aussi, c'est encore un scandale, l'histoire du mercure dans les vaccins. On ne va pas revenir sur les vaccins. Mais ils mettent du mercure simplement parce qu'ils n'en ont pas besoin, soi-disant, pour le vaccin. Ils en ont besoin simplement pour s'éviter de stériliser les pièces où ils fabriquent le vaccin. Donc ils rajoutent du mercure qui détruit les neurones. Alors lui, ça détruit carrément les neurones. Et l'hydroxyde d'aluminium, ça déclenche. L'hydroxyde d'aluminium, ça fait des trous à l'intérieur des neurones. C'est ce qu'on appelle la maladie de la vache folle ou l'encéphalite spongiforme. En fait, on transforme le cerveau en une éponge. Donc, c'est très efficace pour. Ça aurait dû déclencher des catastrophes, l'hydroxyde d'aluminium. Bon, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autisme, et l'autisme correspond au niveau bioélectronique à l'hydroxyde d'aluminium. Mais quand même, il n'y en a pas autant que les satanistes mondiaux auraient voulu, je pense. Hein. C'est passionnant, Alain. Je vais essayer de me poser des questions aussi pour bien comprendre, hein, parce qu'on est bien plus novice, on est de simples citoyens, simples journalistes. Qu'est-ce qu'on identifie alors qu'on dit on a identifié un virus ou une bactérie? On entend souvent aussi parler du postulat de Koch, ce chercheur allemand, Robert Koch, hein, qui aurait défini un protocole pour pouvoir définir la responsabilité d'un virus ou une bactérie sur un malade. Qu'en est-il en fait? Qu'est-ce qu'on identifie et pourquoi cette approche du postulat de Koch ne tient pas selon la théorie que vous nous proposez aujourd'hui? Alors, le postulat de Koch, ça implique plusieurs stades. Hein. Donc, le premier stade, c'est il faut d'abord isoler l'agent pathogène. Il faut le faire pousser en milieu extérieur, donc en tube à essai. Ensuite, il faut l'inoculer à un autre animal. Il faut que ça déclenche la même maladie chez cet animal. Il faut retrouver l'agent pathogène chez cet animal malade, etc., etc. Donc il y a tout un protocole qui est parfaitement cohérent, intelligent, mais qui n'a jamais pu être démontré pour aucune bactérie. Hein, on a tartiné les amygdales de volontaires avec du bacille diphtérique récupéré sur des gens qui avaient une diphtérie. On n'a jamais pu provoquer chez eux de diphtérie. C'est vraiment, il faut bien comprendre ce que je vous disais au départ. La maladie, c'est un processus de guérison, mais à condition que vous en ayez besoin.
Donc, c'est sûr que si vous avez une information de diphtérie et que vous avez la pathologie qui préexiste à la diphtérie, OK, peut-être que vous développerez votre propre diphtérie et vos propres bacilles diphtériques. Mais ce n'est pas les bacilles qui viennent de l'extérieur qui vont pouvoir déclencher cette pathologie et qui vont se développer chez vous, qui vont se multiplier, se développer chez vous. Ça, jamais. Ça n'existe pas. Cette contagion-là n'existe pas. Par contre, il peut y avoir une contagion par mimétisme. Hein, je prends l'exemple de la grippe. Il y a deux types de grippe. Il y a, en général, la grippe du mois de janvier et la grippe du mois de mars, hein, grosso modo, on peut dire. La grippe du mois de janvier, pourquoi il y a une grippe du mois de janvier? Et comme par hasard, c'est une grippe gastro-intestinale. Pourquoi? Parce qu'on a passé les fêtes en famille. On passe les fêtes en famille, on se retrouve devant la maman. C'est la maman qui a le rôle de nourrir, et puis c'est le rôle de donner la tendresse, pas seulement la nourriture matérielle, mais aussi la nourriture affective. Et on va, quelque part, éventuellement revivre des tensions, des conflits qu'on aurait eus avec cette maman. Et lorsqu'on rentre chez nous après les vacances, on lâche prise et on déclenche la grippe, la gastro-entérite, soi-disant virale et soi-disant grippale. En fait, c'est une guérison. On guérit de cette résurgence d'un stress qui date de notre petite enfance. Et la grippe du mois de mars, c'est le retour du printemps. Quelque part, lorsque les jours abrègent au mois de octobre, novembre, décembre, eh bien, quelque part, le moral y descend en chute libre. Donc, ça nous pompe l'air. Hein, on n'arrive plus à vivre pleinement comme on le vit au printemps ou en été. Et puis, lorsque les jours commencent à rallonger, c'est pareil, on fait un lâcher-prise. Et donc, comme ça nous a pompé l'air, ça va toucher les poumons, ça va toucher les bronches, éventuellement le nez, et ça va faire un rhume et une grippe. Voilà. Donc, le postulat de corps n'a jamais pu être démontré, même pour les bactéries. Et encore moins pour les virus, puisqu'on n'a jamais réussi à isoler un virus. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'étonne, j'ai mis un post sur mon Facebook par rapport à ça, parce que c'est quand même hallucinant que tous ces virologues parlent de virus, soi-disant déterminent le génome de tel ou tel virus, mais ils sont incapables de l'isoler de la soupe dont je vous parlais tout à l'heure, qui est à la fois des cellules fœtales humaines, des cellules cancéreuses et des cellules de rein de singe la plupart du temps. Donc, ils sont incapables de l'isoler de cette soupe. Et pourquoi ils sont incapables de l'isoler alors que Béchamp était parfaitement capable d'isoler les microzymas? Or, ce qu'ils prennent pour des virus sont les microzymas. Pourquoi eux n'y arrivent pas alors que Béchamp y arrivait il y a un siècle et demi? C'est quand même hallucinant de voir ça. Alors, je pense qu'ils ne veulent surtout pas y arriver, parce que s'ils y arrivaient, il faudrait qu'ils mettent en œuvre le protocole de Robert Koch, c'est-à-dire qu'ils démontrent qu'en inoculant ce virus isolé, il déclenche la pathologie chez quelqu'un. Mais ça, ils ne l'ont absolument jamais fait, et ils ne veulent surtout pas le faire. Donc, il faut rester sur la grande religion médicale de la guerre bactériologique, virale et compagnie. On est dans le délire total, quoi. Mais quand on voit, par exemple, à l'IHU de Marseille, Didier Raoult nous présenter ses courbes avec les différents variants et les évolutions du génome du virus, en fait, ça serait simplement… Enfin, il trouverait des éléments, des lettres qui s'assemblent les unes derrière les autres, mais il n'aurait pas la preuve que c'est la somme de ces lettres qui provoquerait la pathologie? Absolument pas. On est dans le pile ou face, dans le… C'est l'invention gratuite. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Spectrographie, ils ont des milliers de données apportées par la spectrographie, puisque ce ne sont pas des virus purs. Et avec ça, ils, en fonction de leurs idées préconçues, ils vont décider qu'il y a telle chose ou telle chose ou telle autre. Mais Montagnier le disait d'ailleurs, lorsqu'il parlait, il a donné quelques interviews depuis l'histoire du Covid, et il reconnaît lui-même qu'il a besoin d'un mathématicien et d'un informaticien pour faire ses découvertes, hein, par rapport au virus HIV qu'il est soi-disant découvert, qu'il n'a jamais vu, bien sûr, jamais personne n'a pu voir un virus puisque ça n'existe pas. Ce qu'ils voient, c'est des microzymas, mais ils n'ont jamais vu de virus. La seule chose qu'ils voient, c'est des microzymas.
et ils déterminent que c'est des variants en fonction de leurs idées préconçues, parce que c'est leur théorie, c'est leur système de pensée. Mais, et tout à l'heure, tu nous partageais que donc les microzymas peuvent construire différentes bactéries pour pouvoir rééquilibrer le milieu qui est déséquilibré. Et donc, ces bactéries, après, elles redeviennent microzymas. Et donc, les bactéries, elles existeraient. Les virus n'existent pas, mais les bactéries existent. Voilà, les bactéries, c'est une réalité, mais c'est une réalité temporaire, comme la cellule, quelque part. La cellule, elle n'a une durée de vie que de quelques jours. Hein. Le neurone vit un peu plus longtemps, mais pas si longtemps que ça, contrairement là aux théories officielles non plus. Les neurones se renouvellent, ils sont régénérés régulièrement aussi. Mais les cellules classiques, c'est entre 30 et 60 jours en moyenne, 30-100 jours maximum, quoi. Hein. Elles sont démontées et reconstruites. Et les bactéries, elles sont bâties le temps du chantier et démontées tout de suite après. D'accord. Et ça devient des microzymas qui vont pouvoir faire autre chose. C'est ce qui explique d'ailleurs ce qu'on a appelé le polymorphisme bactérien. Il y a toute une théorie du polymorphisme bactérien qui prétendrait que le colibacille peut devenir un bacille tuberculeux ou inversement, le bacille tuberculeux peut devenir un colibacille. C'est faux. C'est impossible. On est obligé de passer par la case microzyma. Hein, on passe d'abord, le bacille tuberculeux redevient microzyma, et là, il peut construire un colibacille ou un staphylocoque ou une autre bactérie. Quand on regarde d'ailleurs au microscope électronique les staphylocoques ou les colibacilles, c'est tout à fait étonnant. On voit que ce sont des assemblages de microzyma. Hein, les staphylocoques, c'est un petit peu comme une mûre. On a toutes ces petites bulles qui sont agglutinées, qui forment une petite sphère. Et les colibacilles, c'est allongé et on voit les petits points alignés les uns à côté des autres, même en microscopie optique, on le voit sur les colibacilles. C'est tout à fait étonnant à voir. Hein. Et donc, quand par exemple Luc Montagnier, j'essaie de comprendre, hein, parce que vraiment c'est des données nouvelles, c'est des notions nouvelles, et on a la chance de vous avoir avec nous. C'est pas du tout pour montrer certaines limites, hein, c'est aussi vraiment pour comprendre, pour pouvoir partager derrière. Luc Montagnier nous rappelait au début de la pandémie que potentiellement il aurait trouvé des inserts de tuberculose et du sida dans le Covid-19. Pas de tuberculose, de malaria, de paludisme. Excusez-moi, de malaria, de tuberculose, de malaria et de sida dans le virus. Et on sait aussi, par exemple, qu'il y a eu des travaux qui ont été faits par différentes armées dans des laboratoires militaires. Ils appellent ça des travaux de gain de fonction. Donc, je n'ai pas les compétences pour bien comprendre. Mais de ce que j'en ai compris, c'est que ces gains de fonction permettraient de développer un peu, on va dire, des armes potentiellement des virus. Et donc, ça serait uniquement des armes bactériennes et non pas des armes virales. Alors, il n'y a ni arme bactérienne, ça, de toute façon, ça peut pas, ça ne marche pas, ni virale, ça n'existe pas. Donc, tout ça, c'est du délire total. Et la seule chose qui compte pour ces gens-là, c'est de publier des articles et de raconter leurs âneries. Et puis, c'est la même chose que nos hommes politiques, quoi. Ils ont appris, ils ont le cerveau lavé, et puis ils racontent leurs âneries, et puis… Voilà, en fonction de leur. Et s'ils forment des articles référencés, il faut que ce soit surtout très référencé, c'est absolument hallucinant. Et ils touchent autant d'euros que de lignes d'articles. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Hein. Mais en fait, il n'y a aucune réalité scientifique objective derrière. Tous ces gens-là devraient commencer par lire Béchamp. Ce serait la priorité. Après, on pourrait commencer à causer. Mais tant qu'on n'aura pas réhabilité Béchamp et tant qu'on ne l'aura pas remis en première ligne, on patauge dans la choucoute, quoi. C'est n'importe quoi. D'accord. Donc, il n'y a pas de guerre bactériologique. Hein, c'est bien. Ça nous… Impossible. Des recherches potentiellement sans fin et sans issue. Et donc aujourd'hui, par rapport à ce travail fantastique que font les microzymas, vous venez nous partager certaines de leurs fonctions, tu viens de nous partager certaines de leurs fonctions, c'est assez incroyable le rôle qu'elles jouent. Comment nous, on peut faire dans cet environnement aujourd'hui de plus en plus pollué pour essayer d'avoir des microzymas qui fonctionnent bien et qui jouent un rôle efficace et qui nous permettent d'être en bonne santé? On sait aujourd'hui les pollutions nombreuses, hein, qu'elles soient chimiques, qu'elles soient électromagnétiques, jusqu'à potentiellement des pollutions aussi psychiques, hein, en termes de stress, etc. Est-ce qu'on pourrait ouvrir la fin de notre échange plutôt sur comment… pour être en bonne santé ou être en bien-être, comment faire pour que le microzyma travaille bien?
Alors, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout, en fait. Bon, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la durée de vie d'un être humain, c'est bien plus que 100 ans, normalement. On devrait pouvoir vivre 250 ans facilement. Hein. Mais il y a un gros problème. L'être humain a été créé à l'origine pour être frugivore et pour vivre en zone équatoriale ou tropicale à la rigueur. Ce sont des zones où les fruits sont excessivement riches en vitamine C. Et comme tous les primates, l'être humain ne sait pas synthétiser la vitamine C. Donc depuis que nous avons quitté ces zones tropicales ou équatoriales, eh bien, nous sommes chroniquement carencés en vitamine C. Pour avoir la ration de vitamine C dont nous aurions besoin aujourd'hui, avec les fruits les plus riches en vitamine C que nous connaissons, à savoir les oranges ou les citrons, il faudrait consommer à peu près 40 kg d'oranges avec la peau tous les jours. Donc c'est la première des choses. C'est important la vitamine C parce que c'est un antioxydant majeur dont les mycosymas se servent en permanence pour bien y voir, pour avoir un bon champ de vision. C'est fondamental. Prenez, on parlait tout à l'heure de cancer ou de tumeur ou de choses comme ça. Lorsque le cerveau ordonne, pour des raisons tout à fait cohérentes et logiques qui relèvent de la psychosomatique, au mycosyma de construire une tumeur, mettons, de 5 cm de diamètre. Parce que une tumeur, un cancer, il a une fonction. Il doit remplir un rôle. Et il est là pour nous sauver la vie et pas pour nous causer des embrouilles. Hein. Voilà. Donc, si le cerveau demande au mycosyma de construire une tumeur de 5 cm de diamètre, s'il y a carence en vitamine C, les mycosymas ne savent plus s'arrêter. Ils n'ont pas une bonne visibilité et au lieu de la construire de 5 cm, ils vont la construire de 15 cm de diamètre. Et parfois, ils s'arrêtent jamais de bâtir et elle continue à grossir indéfiniment. Donc, la priorité des priorités, c'est d'apporter aux mycosymas de la vitamine C. Et il faut leur en apporter du 1er janvier au 31 décembre. Sachant que pour un adulte, la dose se situe entre 8 et 10 grammes par jour. Ce n'est pas les 500 mg que vous préconise le pharmacien et Big Pharma, parce que ces gens-là, bien sûr, ils n'ont pas du tout envie que vous viviez vreux, que vous viviez vieux. Ils n'aiment pas du tout ça, parce que les caisses de retraite, il faut les payer. Donc, et puis en plus, si vous prenez vos 8 à 10 grammes de vitamine C, vous n'êtes pratiquement jamais malade. Parce que même si vous faites un cancer, vous n'en rendrez pas compte. Et il guérira tout seul. Dans la mesure où vous prenez la vitamine C, la guérison est quasi automatique et elle se fait en principe avec un petit peu d'inflammation, de douleur, mais ça se fait. Ce n'est pas quelque chose de catastrophique. Voilà. Donc la première des choses, c'est la vitamine C. Ça, il faut que tout le monde se complémente. Et ça, ce n'est pas lié à la pollution. C'est lié simplement au fait que nous avons quitté la région équatoriale et tropicale où l'homme a été créé à l'origine, ou bien peut-être qu'avant le déluge, toute la planète était en climat tropical équatorial, je ne sais pas. Hein, là, il y a beaucoup de théories qui se proposent aujourd'hui, on ne sait pas trop. Voilà, donc ça, c'est une chose. Donc, la complémentation vitamine C. Alors, par rapport aux pollutions, les mycosymas ont énormément de travail. Il faut impérativement, même si vous mangez totalement bio, il faut quand même vous rendre à l'évidence. Dans le bio, ils arrosent leur jardin. Et ils arrosent avec quoi? Avec de l'eau dans laquelle vous allez retrouver des antibiotiques, des chimiothérapies, des désherbants, des polluants de toutes sortes. Donc en fait, c'est jamais parfait. Et pour être parfait, il faudrait vivre sur une île déserte et encore, il y aurait encore les chemtrails là-dessus qui nous enverraient des cochonneries. Donc je crois que là, il faut être réaliste. Donc nos mycosymas ayant beaucoup de travail, ils ont besoin de... Ça les aide de leur apporter des vitamines à la fois du groupe B et à la fois de la vitamine E naturelle. Et donc ça, c'est important. Voilà. Si vous complémentez régulièrement en acide L-ascorbique, alors par rapport à la vitamine C ou acide L-ascorbique, je préviens tout de suite, hein, depuis quelques années, il y a une mode pour une forme de la vitamine C qu'on appelle la forme liposomale. Hein, la même chose qu'ils utilisent soi-disant dans les inoculations Covid. Eh bien, ces formes liposomales, cette forme de vitamine C liposomale est totalement inactive. Elle n'a aucune efficacité. Et c'est de l'argent foutu à la poubelle. Donc, ne prenez jamais cette forme liposomale, prenez de l'acide L-ascorbique pur. N'achetez pas non plus d'acérola parce que là aussi, c'est un peu de l'imposture parce que, en fait,
dans la, quand on vous vend des comprimés d'acérola, il y a un tout petit peu de jus de fruits et il y a beaucoup d'acide ascorbique qui rajoute par-dessus. Et de toute manière, l'acide ascorbique est obtenu de façon tout à fait naturelle en transformant du sucre végétal en vitamine C grâce à des bactéries, c'est-à-dire grâce à des microzymas. Donc, c'est quelque chose de tout à fait biologique, il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir par rapport à la vitamine C. La seule chose, il y a plusieurs qualités de vitamine C, bien sûr, en fonction des fabricants. Il faut savoir que toutes les vitamines C aujourd'hui, pratiquement 99%, est fabriquée en Chine. Elle vient de Chine, donc il va y avoir des pénuries, méfiez-vous. Hein, on va en manquer prochainement, ça c'est clair. Cette vitamine C, il y a toutes les qualités. Il y a la vitamine C qu'on utilise pour le vin, qui est vraiment le très bas de gamme. Et puis, vous avez des vitamines C de plus en plus bonnes au niveau qualité, en fonction. Et là, malheureusement, ça se paye. Hein. Mais bon, si vous prenez 8 à 10 grammes par jour de vitamine C, il faut savoir qu'un kilo de vitamine C coûte, s'il est de bonne qualité, entre 30 et 40 euros. Avec un kilo, vous avez 100 jours de cure. Vous avez donc là, c'est quand même pas trop cher, quoi. Donc ça, le B.A.B.A., c'est la vitamine C. Après, les vitamines du groupe B, et ensuite, un petit peu de vitamine E, c'est pas mal pour éviter le vieillissement, pour éviter les pertes de mémoire, pour éviter les rides, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment essentiel si on veut rester en bonne santé, si on veut que nos microzymas puissent faire leur travail correctement. Eh bien, c'est super. Et plus globalement, d'autres conseils par rapport à, dans le contexte actuel, dans l'environnement et dans le terrain actuel, vu qu'on voit que le terrain est central pour permettre au microzymas, au-delà de ses vitamines? Oui, alors, le terrain d'aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. Hein. On est dans une pandémie de peur. C'est une pandémie, et pas une pandémie, mais c'est une pandémie organisée, c'est politique et social, ça n'a strictement rien de médical. Il y a des grippes comme chaque année, pas plus, pas moins, et c'est absolument banal. Bien sûr, c'est une situation qui est puante au niveau virtuel, évidemment, parce que quand on voit notre PD trou du cul national, pour parler gentiment, puisque qu'est-ce qui emmerde, c'est le trou du cul, hein, faut pas se leurrer. Quand on voit ces gens-là, et quand on voit la Brigitte qui est transgenre, a priori, ça paraît évident, le côté homosexuel de Macron, toutes ces choses-là, on est quand même dans une situation qui est particulièrement puante. Et évidemment, ce n'est pas une odeur que l'on repère avec notre nez, mais si vous ressentez la situation comme étant puante, automatiquement, votre cerveau va ordonner le démontage des petits neurones qui sont les récepteurs de l'olfaction, de l'odorat. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Et ça peut se reconstruire, il n'y a aucun souci. Avec un peu d'homéopathie de bonne qualité, on peut aider vos microzymas à reconstruire ça, à condition que vous compreniez que, en fait, vous n'avez pas à vous défendre contre une odeur réelle, mais que c'est simplement une situation virtuelle. Voilà. Mais le cerveau ne sait pas faire la différence entre le virtuel et le réel. Hein. Donc ça, c'est une chose importante. Si on reparle un jour un peu plus de dimension spirituelle ou autre, il faut bien comprendre que le cerveau n'est qu'un ordinateur et sans aucune intelligence objective. L'intuition, la conscience, toutes ces choses-là ne se situent pas dans le cerveau. Le cerveau, c'est l'ordinateur, c'est le calculateur central qui va vous permettre de survivre, qui va vous permettre de marcher, qui va vous permettre d'écrire, de faire du vélo, de conduire votre voiture, de faire plein de choses. C'est super intéressant. Mais la conscience n'est pas là. L'intelligence n'est pas là. L'intelligence, elle est ailleurs, elle est dans votre esprit. Et à mon avis, l'esprit se situe au niveau du hara, c'est-à-dire au niveau du ventre, et pas du tout au niveau du cerveau. Voilà. Et c'est là que se situe la conscience, la véritable intelligence et toutes ces choses-là. Voilà. Et donc le cerveau, n'étant pas intelligent, ne peut pas faire la différence. Il a les informations binaires comme un ordinateur. Ça pue, donc je démonte
les petites fibres nerveuses olfactives, et puis je les reconstruirai après, c'est pas grave, les microzymas savent tout faire. Voilà, donc la situation actuelle, c'est ça. Et bien sûr, la finalité de ces gens-là, des gens qui veulent ce grand reset, c'est d'asservir les êtres humains qui survivront. Il n'y en aura pas beaucoup, mais il y en aura, enfin, selon leur plan. Et surtout, il faut stériliser et tuer un maximum de gens. Donc les vaccins, on sait depuis des années, ça a déjà, surtout le vaccin pour le papillomavirus, c'est vraiment, la finalité, c'était la stérilisation des jeunes filles et puis maintenant des jeunes gens. Et puis l'inoculation Covid, c'est directement tuer et probablement stériliser aussi. Alors, sur le long terme, on ne sait pas trop la stérilisation, mais le court terme, c'est sûr que c'est d'abord de pourtuer. Voilà. Je crois que ces gens-là, c'est clair, ils ne s'en cachent pas. Hein. Il faut revenir à 500 millions d'individus sur la planète, alors qu'on est à peu près 8 milliards. Selon eux, il faudrait éliminer en quelques années 7,5 milliards d'individus. C'est quand même du boulot. Voilà. C'est pour ça qu'on pousse en force sur ces histoires de piqûres, qu'il faut les répéter souvent, parce que, évidemment, il ne faut pas que les gens meurent tous d'un coup, parce qu'évidemment, ce serait trop gros et le cirque s'arrêterait trop vite. Donc, c'est très calculé. Ce sont les gens qui sont au pouvoir, ils sont vraiment. Ils préparent ça depuis longtemps. Hein. C'est quelque chose c'est un plan qui est peaufiné progressivement depuis l'avènement de Jésus-Christ. Hein. En fait, au départ, c'est les Juifs rebelles, et puis il y a eu la franc-maçonnerie, il y a les Illuminati, il y a tous ces gens-là. Ben, c'est complexe. Hein. Moi, j'aime bien Pierre Hillard. Il explique très bien ces choses-là, Pierre Hillard. Je ne sais pas si vous connaissez. Tout à fait. On espère l'accueillir prochainement sur le front médiatique. D'ailleurs, si vous avez le contact, on est preneur parce qu'on n'arrive toujours pas à la voir alors qu'on aimerait bien. Et juste une question d'Isabelle qui demande quelle souche d'homéopathie pour reconstruire les microzymas, enfin, ou pour toujours être... L'odorat, oui. Alors, ça, le remède, c'est ammonium muriaticum ou ammonium carbonicum selon la corpulence du sujet. Pour les sujets un peu carrés, c'est ammonium carbonicum. Pour les sujets plus longilignes, c'est ammonium muriaticum. Alors, muriaticum a aussi une action antidéprime, antidépression. Mais par contre, il ne faut pas acheter du bois rond. Hein. N'achetez pas du bois rond. Mais alors, je ne peux surtout pas vous donner les adresses des bons labos, parce que sinon, ils se font poursuivre pour publicité illégale. Donc, écrivez-moi par mail et je vous donnerai les adresses, il n'y a pas de souci. Eh bien, merci beaucoup. Et juste peut-être une dernière question. Est-ce que vous savez aujourd'hui s'il y a d'autres chercheurs en France qui travaillent sur les travaux d'Antoine Béchamp? Est-ce qu'il y a des écoles ou des centres de recherche qui tentent d'approfondir et de poursuivre les travaux d'Antoine Béchamp, ou vous êtes simplement des chercheurs indépendants, isolés? Écoutez, sincèrement, bon, je connais certains chercheurs qui travaillent sur Antoine Béchamp. Il y a en particulier Cédric Manu, qui avait fondé une association qui était le CIRAB à l'époque, mais je ne sais pas où ça en est, son association, je crois qu'il y en a une nouvelle maintenant, mais qui n'est pas médecin, mais bon, qui connaît bien la partie, parce qu'il a vraiment bûché la question, et en plus, c'est un historien, il est en train plus ou moins d'écrire un bouquin absolument remarquable sur toute la question. Il a réussi à récupérer des souvenirs, le plumier d'Antoine Béchamp et des tas de choses absolument extraordinaires comme ça. C'est un homme absolument remarquable. Mais en dehors de ça, non, Eric Ancelet connaît un peu. Il y a très, 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 très peu de gens qui connaissent les microzymas, et en particulier très peu de scientifiques. C'est bien triste, c'est bien dommage. Il y a vraiment eu un travail de censure extraordinaire. Et je vois, par rapport aux nanobes ou nanobactéries dont on parlait tout à l'heure, les géologues qui ont cherché dans cette direction-là à la fin du XXe siècle, il y avait en particulier l'université de Sydney en Australie avec le professeur Philippa Uwins, U-W-I-N-S. C'est elle qui a détecté le cristal de silicium au cœur des microzymas. Eh bien, elle avait un site qui était accessible,
et qui était remarquable, où elle donnait, évidemment c'était en anglais, mais c'était facile à décrypter, elle donnait les résultats de ses conclusions. Et malheureusement, enfin malheureusement, est-ce que c'est pas orchestré ça aussi, le site a disparu avec l'émergence du Covid en mars 2020. Voilà. C'est, enfin bon, j'ai récupéré à l'époque toutes les informations nécessaires sur la question. Il y a Science et Vie aussi avait fait beaucoup de 3 ou 4 grandes interviews sur les microzymas, sur les nanobes, sur les nanobactéries. Ça, il a bien travaillé de ce côté-là. Eh bien, merci beaucoup, Alain Scoï. C'était vraiment un grand plaisir. C'était passionnant. Et peut-être qu'on aura l'occasion de se retrouver sur le front médiatique. Je rappelle donc votre ouvrage, Les microzymas, enfin, La révolution en biologie, les microzymas, Une médecine pour la vie et aussi Le guide des maladies. On peut retrouver ces différents ouvrages sur votre site internet, www.alain-scoï.com. Voilà, en tout cas, c'était un grand plaisir de vous accueillir sur le front médiatique. Vous nous avez aussi rassurés. Restons confiants par rapport à la vie. La vie aussi cache tous ces... Enfin, il y a plein de miracles dans la vie qu'on ne comprend pas encore aujourd'hui. Oui, c'est pareil pour les... Je te coupe une seconde. J'ai vu tout à l'heure une question, qu'est-ce qu'on peut faire si on s'est fait vacciner? Il y a moyen. Quelque part, les satanistes, ils travaillent contre la vie. Mais la vie, quelque part, c'est les ténèbres et la vie, c'est la lumière. Et les ténèbres n'existent pas réellement. Hein, c'est l'absence de lumière. Et je pense qu'il y a moyen pour tout le monde de retrouver une pleine santé, même après avoir été inoculé, sauf si on est mort, bien sûr. Mais vous avez tout un protocole qui est proposé sur mon site par rapport à ça. Mais il ne faut pas se désespérer. Ce n'est pas parce qu'on a été inoculé qu'on est condamné à mort à toute force. Il y a moyen de s'en sortir. Voilà. Il y a en particulier de la bonne homéopathie. Et puis, de toute façon, le bon Dieu est plus fort que Satan. Et je crois que si on se relie, si on retrouve notre reliance au Créateur, si on retrouve cette notion de gratitude, de respect par rapport à la vie, par rapport à l'univers, si on retrouve l'émerveillement, on doit pouvoir guérir même de ces inoculations. Merci beaucoup. Et je mettrai d'ailleurs le mail sous la vidéo aussi donc de Alain Scoï pour vous permettre d'avoir des informations complémentaires. En tout cas, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là pour cet échange sur le front médiatique. Je vous souhaite une très belle soirée. Je remercie aussi toute la communauté qui était présente ce soir avec nous. Vous étiez nombreux, ça fait plaisir. On voit que les citoyens sont preneurs d'émissions de long format, un peu intellectuelles, de qualité en tout cas, nous l'espérons. Et le front médiatique invite cette diversité de penseurs indépendants pour ouvrir des champs, ouvrir des débats, ouvrir des questionnements, sans avoir la prétention d'avoir la vérité, mais dans une démarche de pluralité des points de vue qui est au cœur, nous le pensons, d'une démocratie, d'une société équilibrée et apaisée. Merci beaucoup. Merci à toi. Belle soirée. C'était Alain Scoï et Akina sur le front médiatique. Bye bye la famille. Au revoir. Je te dirai, chérie.